Tu seras toujours incroyablement mauvais la première fois que tu essayes quelque chose de nouveau. Et c'est une très bonne chose. Imagine si un pianiste savait jouer tout le répertoire de Beethoven dès sa première semaine de cours, ou si avec deux pompes et trois squats, tu ressemblais à Chris Bumstead. En fait, t'aurais aucune marge de progression. Cette marge de progression, une fois que t'es lancé, c'est ce qui te permet de continuer à avancer. C'est ton pourquoi. Tu sais, tu vois vers où tu vas, et chaque minuscule accomplissement est ultra satisfaisant. La veine qui commence à apparaître sur le biceps, comprendre des phrases ou des vidéos dans une nouvelle langue, mais t'en es pas là. Trouve le pourquoi. Le comment viendra tout seul. Si tu sais pas pourquoi tu veux commencer la muscu, te mettre à méditer ou apprendre à cuisiner, t'auras aucune vraie raison de le faire. En vrai, tu sais même déjà comment t'y mettre. Tu regardes des heures de tuto, mais tu sais pas vraiment t'y tenir. Tu sais pas pourquoi tu veux le faire. Alors là, maintenant, tout de suite, voilà ce que tu vas faire. Tu vas chercher une feuille de papier, un stylo, un crayon ou même juste tu vas ouvrir tes notes si c'est ce qui te plaît. Tu vas mettre la vidéo en pause quand j'aurai fini ma phrase et tu vas écrire une habitude que tu veux mettre en place et pourquoi tu veux la mettre. J'attends. C'est bon, nickel, parfait. Maintenant que tu sais quelle habitude tu veux mettre en place, que tu sais pourquoi et que tu as déjà une idée du comment, voilà exactement ce que tu vas faire. Tu arrêtes de surcompliquer les choses. T'admets que les 10, 20, 100, 1000 premières fois, tu vas être probablement plus mauvais que ce que tu penses. Et tu y vas de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Tu vas pas directement squat 250 kg, avoir des abdos ou savoir jouer un morceau de Litz. Mais tu vas aller à la salle, tu vas manger une salade et tu vas te mettre au piano. Le reste viendra tout seul. À la prochaine.